Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans le plus précisément dans l'Institut de Fallout 4. Donc, on a retrouvé notre office dans le précédent épisode. Il paraît que le complément alimentaire 77 n'est plus distribué. Tellement de recherches à mener. C'était mon préféré. On peut le garder encore un peu. Je me ferai un plaisir de transmettre votre requête à la division de biosciences. En attendant, n'hésitez pas à savourer un autre de nos compléments alimentaires savoureux et nutritifs. Je veux le complément 77. Un enfant synthétique. Mais ce complément alimentaire n'est plus disponible. Foutu machine inutile. Oh. Brocoli, fibre, gros. Fat. Qu'est-ce que c'est que ça? Beef, laitage. Ouais, bizarre. Parce qu'il parle de complément alimentaire. À moins que c'est dans l'autre machine, peut-être. Non. Étrange, étrange. Pourquoi pas? Bonjour. Veuillez subvenir à tous vos besoins nutritifs de manière équilibrée et raisonnable. Ah bon? Troqué. D'accord, je vais jeter un coup d'œil. Bouteille d'eau de l'Institut. Pourquoi ils ont pas mis des vraies bouteilles d'eau d'ailleurs? Et un pack de nourriture de l'Institut. C'est intéressant ça. Ah, je me trompe toujours de touche. Tu as pas beaucoup de crédit par contre. Niveau de contrôle. Vous le croyez ça? 3. Tu serais pas un synthétique déjà de base? Tu me sembles. Nos besoins énergétiques. Laissez-vous me parler de cette mystérieuse phase. Système avancé. Vous savez que je ne peux pas en parler. Division de système avancé de l'Institut. On continue l'exploration. Hein. Je vais pas m'embêter. Ok. Oh, bonjour. Ça fait 2 heures qu'elle... Ah, c'est de l'informatique. Qu'elle expérimente au juste? Rien. Je crois qu'elle le fait uniquement pour s'amuser. D'accord. Elle me plaît déjà, la personne en question. Porte coulissante, elle a un PC. Terminal. Note personnelle. Proposition de recherche. Cybernétique. Ah! Petite recherche de l'Institut en mettant un plan de cybernétique pour augmenter les capacités de l'espérance de vie humaine. Le programme précédent n'a rencontré aucun succès limité sur un simple sujet. Mais le recours à des sujets plus nombreux et aux nouvelles techniques pourrait s'avérer déterminant. Accord, refusé directeur, note refusée par le directeur, donc note aucune. Fusion froide. Utiliser le temps et les ressources consacrées à la phase 3 pour explorer les possibilités de réaction nucléaire durable par processus électrochimique à température ambiante ou approchant. Les études d'avant-guerre menées sur ce sujet n'ont pas donné de résultats concrets, mais les progrès technologiques pourraient les rendre possibles. Refusé par le docteur Lee M. Note, toutes nos connaissances indiquent qu'il s'agit et qu'il s'agira toujours d'un rêve. Miniaturisation. Modification de la structure du relais pour permettre des paramètres de rematérialisation supplémentaires. En particulier pour explorer la modification de la taille et de la densité de l'objet. Imaginez s'il était possible d'utiliser le relais pour redimensionner quelqu'un à la taille d'un insecte ou même plus petit. C'est une référence à Ant-Man ? Ou à maman, j'ai rétréci les gosses. Chérie, j'ai rétréci les gosses. Refusé par Watson E. Note, les projets de science-fiction s'adressaient à une maison d'édition. Merci, oh le salaud. Donc c'était une référence à Ant-Man. Arme plasma. Malgré leur caractère et des échantillons ont été collectés, le travail d'une équipe de recherche s'y consacrant entièrement permettrait d'améliorer considérablement la qualité de ces armes. En attendant, de l'IM, note, proposition à étudier une fois la phase 3 terminée. C'est quoi cette phase 3? Porte coulissante. Et voilà, c'était productif. C'est qui Rosalind? Janet Thompson? C'est toi. C'est vraiment excitant de vous compter parmi nous. J'ai hâte de voir de quoi vous êtes capable. Bonjour. Excusez-moi, docteur. Vous testiez une arme, ça m'intéresse. Bonjour. Pardonnez-moi si j'ai pu paraître distraite. J'ai mémorisé 5 ensembles de schémas de conception et je procédais à des comparaisons mentales. Quel plan? Quel genre de schéma? Principalement des composants pour un nouveau concept de pistolet à plasma. Ah! Je travaille pendant mon temps libre. Les armes à haute énergie sont un peu comme un hobby. Bref, je suis vraiment contente de vous voir parmi nous. Je tenais à vous dire à quel point j'admire Père, et c'est un honneur de vous rencontrer. J'espère sincèrement que vous resterez ici. C'est gentil. Institut pistolet, cellule à fusion. Grenade synthétique, je vais peut-être pas les prendre. Parce que s'ils font des recherches, ça m'intéresse, moi, personnellement. Enfin bon. Vous savez tous que le docteur Thompson, des infrastructures, a exprimé son inquiétude au sujet de notre consommation d'énergie. Et voilà, ça recommence. Nous n'avons enfreint aucun protocole. Nous sommes largement dans le cadre des paramètres opérationnels optimaux. J'ai vérifié. J'en suis bien consciente. C'est toi, Evan. Nous allons quand même devoir faire des économies.
Je vais publier un plan de restriction détaillé sous peu. D'accord. Et en attendant, je vous demande de réduire votre consommation par tous les moyens possibles. Ça va retarder nos travaux de plusieurs jours, peut-être même des mois. Je sais que je vous demande beaucoup, mais il faudra faire des efforts. C'est tout pour le moment. D'accord, intéressant. Bonjour. Excusez-moi, docteur ? Ah, c'est vous. Vous êtes là, ça y est. Oui, je suis là. Oui, je sais qui vous êtes. Tout le monde est au courant. Père est sûrement très heureux que vous soyez là, mais j'espère que vous n'allez pas interférer avec nos travaux. Quel genre de travail ? Sur quoi travaillez-vous ? Système avancé, projets spéciaux. Vous avez déjà vu le garçon ? Enfin, le synthétique. Nous y travaillons d'arrache-pied depuis un bon moment. Avant que j'oublie, montrez-moi votre Pip-Boy. Oh. On m'a demandé d'y intégrer une puce de chasseur, ordre de père. Vous avez maintenant un accès total à nos installations, ainsi que la capacité de vous téléporter à volonté. Oh bah, merci. Merci, ça pourrait être utile. Utile ? Le mot est faible. La téléportation est le seul et unique moyen de pénétrer dans l'Institut. Et si l'importance de ce petit cadeau vous échappait encore, sachez que personne d'autre que vous n'a eu ce privilège ici. C'est dire la confiance que père a placée en vous. Maintenant, si vous avez... Hé, je suis son père à père. Donc, t'es dimanche ton grand-père. Tout va bien ? Tout va bien, docteur Lee. Vous avez l'air tendu. Oui, tout va... Très bien. Pardonnez-moi, je n'ai pas vraiment l'habitude de parler aux gens. Je préfère me concentrer sur mon travail. Je peux comprendre. Excusez-moi pour le dérangement. Écoutez, ce fut un véritable plaisir de vous rencontrer et de piller... Vous piquez votre verre, hein, principalement, espèce d'alcoolique. Hein. Clé de mécanicien, pince à épiler, oui, si tu le dis. Oh. Bonjour. Nous en sommes au 8e jour du test numéro 6. Cette dernière semaine a été très productive, mais également épuisante. Je pense qu'on va avoir besoin de repos après ça. Binet a fait de l'excellent travail avec le tissu de personnalité. En fait... presque trop performant. Les réactions correspondent presque parfaitement aux résultats attendus. Je n'ai jamais rien vu qui fasse aussi vrai. Oui, bah il fait pas si vrai que ça. Hein. Pas vraiment chaud. Le prototype d'enfant synthétique est sans doute platonique. Serait allé trop loin. Je crois que ça commence à avoir un effet. C'est vraiment excitant de vous compter parmi nous. Moi aussi, je m'y suis laissé prendre à une ou deux reprises. L'espace d'un instant. Il nous arrive d'oublier que ce n'est pas un vrai. Je travaillais exclusivement sur les synthétiques avant, mais je me suis tourné vers des travaux moins controversés. D'accord. Je suis bien consciente que les autres sont troublés en sa présence. Si j'étais un peu plus arrogante, je considérerais peut-être ça comme un signe de réussite. J'aimerais bien qu'elle aille se coucher. J'ai besoin de pirater son terminal. À quelqu'un. La chaise est un peu trop proche ici. Y'a pas une autre chaise dans le coin ? N'oubliez Terminal. Pas, la sécurité... Note personnelle. Le protocole de l'Institut, les facilités des gens à ignorer les règles mises en place pour la... Madison insiste pour que je continue la série de tests pour le reste de l'enfant. D'accord. Avant tout. Watson, c'est toi ? Salut, Doc. On m'a parlé de toi. Puisque vous venez d'arriver, vous devriez apprendre nos procédures de sécurité par cœur. Et le plus tôt sera le mieux. Les règles permettent de faire respecter l'ordre. Et l'ordre est synonyme d'efficacité. Tout à fait, d'accord. Voilà des mots qui parlent à tous les anciens soldats. Cet endroit a besoin d'hommes et de femmes qui comprennent la nécessité de respecter une discipline stricte. Ça se comprend. J'avais fait imprimer des manuels il y a quelques années. Je vais essayer de vous en procurer un. Ah, avec plaisir. Ça me va. Dans ce cas, prenez soin de vous. Merci. Je vais quand même... Ah non, je peux pas m'asseoir sur sa chaise. Chier. Y a pas de chaise par là, forcément. Un jour, je concevrai un réacteur plus efficace pour remplacer le machin qu'on a au sous-sol. Hein ? Si j'attends 3-4 heures. 5 heures, disons. Il sera 21, pratiquement 23 heures. Pratiquement 11 heures, donc. Là, il n'y a plus personne. Ils sont encore là à 11h. Oh merde. Et une heure plus tard, vous êtes encore là? J'espère que non. Oh putain.
Putain, mais il bosse d'arrache-pied. Dormir est une perte de temps. Je préférerais passer mes nuits à concevoir des émetteurs à plasma plus efficaces. Je suis caché, donc techniquement, je peux. Note personnelle. On va bien nommer un indice. Non, d'accord, ok. Avancement du projet, c'est du projet phase 3. En retard, des développements enceintes modifiés selon les spécifications de l'UIM. Coulpage d'échappement remplacé, calcul du champ de confinement magnétique perfectionné. Prototype de synthétique. Nouvelle peau ajoutée selon les spécifications du directeur. Problème de contrôle moteur réglé. Dernière matrice de personnalité de la division robotique installée. Arme laser. Mécanisme de focalisation amélioré selon les spécifications de Ormand R. Modification de fréquence selon les spécifications de Watson E. Fabrication de nouvelles enceintes. Projet divers. Ormand R travaille sur le projet de, sur le foyer de relais localisé. Tous les prototypes modèles théoriques sont retardés en raison de la phase 3. Je n'ai pas été repéré. Génial. C'est pas quitter l'institut, hein. J'ai pas... Non, rencontrer les chefs de service. Donc je n'ai aucune possibilité d'ouvrir cette porte. Alors, est-ce que c'est seulement... Parce que vous voyez, il n'y a pas... À l'intérieur non plus, il n'y a pas de... Juste à titre informatif. Voilà. Parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas de... Réacteur de l'institut, d'accord. Mais il n'y a pas moyen d'y aller, en fait. En tout cas, pas de cette manière-là. Parce qu'il n'y a aucun... comment que ça s'appelle... aucun terminal, donc à proximité. L'institut. Continuons notre petite visite. Personnellement, ça m'intrigue, hein, mais... Mais je pense... Honnêtement, je pense que je vais rester de leur côté. Hein. Oh. Ah non, je pensais que c'était un PC. Justement. Aucune réaction visible au mélange K14. Passons au test suivant. La dose... Alors, mean... Pray. Ça va pas être Trey. From. Ça y est. Alors, ouvrez la porte. Merci. La dose sera plus importante et les effets secondaires seront probablement plus marqués. Est-ce que ce sera douloureux? Honnêtement, je n'en sais rien. Ça va être à vous de me le dire. Maintenant, ne bougez plus. Et voilà, c'est fait. Vous pouvez retourner à vos activités. N'oubliez pas de noter... Pardon. J'espère que je serai un sujet pris vos marques, j'aimerais vous soumettre à un examen de routine et vous créer un dossier. Rien d'urgent, cependant. Vous êtes docteur, pas bonne idée? Après tout ce que j'ai traversé, je pense qu'un petit check-up ne ferait pas de mal. Sans doute, oui. Quand on sait à quoi les gens sont exposés en permanence là-haut, prenez le temps de vous familiariser avec les lieux tranquillement. En attendant, venez me voir si vous avez besoin de soins. Nous ferons ce check-up quand vous serez plus à l'aise. Prenez soin de vous. Ouais, il est gentil. Du travail en plus. Je l'aime bien. J'aime bien pratiquement tout le monde dans l'institut. C'est une véritable bonne nouvelle. Bonsoir. Excusez-moi, mademoiselle. Je sais que vous accomplirez de grandes choses ici. Nous en sommes tous convaincus. Alors, je vais grimper ici quand même. On l'a pas vu par là. Orman, porte coulissante. Ah, c'est la famille Orman qui est ici, donc d'accord, je comprends. Je comprends très bien. Ça commence à venir, chers amis, les explications de cet endroit. Hein. Et donc ici, c'est les Locken. D'accord. Alors en fait, j'ai comme l'impression que ça, ce sont les portes. Même pas. C'est intriguant d'avoir les armes quand même en main, hein, malgré tout. Ah, ils ont un balcon, génial. Oh. Oh, mais c'est d'un chic. What? Ah d'accord, carrément. Pourquoi pas, hein? Ça me dérange pas, hein. Vous n'avez pas eu la chance de connaître père comme nous l'avons connu. J'sais pas... Notre technologie doit vous sembler très évoluée par rapport à la surface. Effectivement, mademoiselle, madame. Docteur. Alors docteur, c'est vrai. Pardon. Merde. Vous êtes vraiment là. Eh bien, je suis Ali Fillmore. On peut dire que je suis un peu l'ingénieur en chef de l'Institut. D'accord. Quand père nous a parlé de vous, j'y croyais à peine. Vous avez traversé tellement d'épreuves. La plupart des gens auraient abandonné depuis longtemps. Excusez-moi de poser la question, mais qu'est-ce qui vous a permis de tenir? Trouver mon fils. Je voulais juste retrouver mon fils et le protéger. Maintenant que vous l'avez trouvé,
J'espère que vous aimerez autant l'homme qu'il est devenu que l'enfant qu'il a été. Je ne l'ai pas connu. Je vais vous faire une présentation de la division des infrastructures. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser après. Comme vous vous en doutez, nous maintenons les systèmes électriques et mécaniques de l'Institut en état de fonctionnement optimal. Malgré nous entretenons et optimisons tous les systèmes qui nous permettent de vivre et de travailler dans un endroit comme celui-ci. Ces murs cachent de nombreuses machines complexes qui recyclent l'air et l'eau et fournissent le courant nécessaire aux laboratoires et aux quartiers d'habitation. Notre travail n'est peut-être pas aussi passionnant que dans les autres divisions, mais il est au moins aussi important. Si ce n'est plus. Maintenant que vous êtes là et que vous avez parlé à Pair, est-ce que ça signifie que vous êtes des nôtres ? Apparemment. Absolument. Ça fait plaisir à entendre. Je suis sûre que Sean est très soulagé. Prenez votre temps. Faites connaissance avec les lieux. C'est la première à l'appeler Sean. D'un coup, et tout est très différent de la surface ici. Si vous avez la moindre question au sujet de la division des infrastructures, n'hésitez pas. Comptez sur moi. Personne de vision, non. Quels sont les besoins d'énergie ? Ça doit être un sacré défi de fournir un endroit pareil en énergie. Absolument. Tout est question d'économie et d'optimisation. Le plus petit volt compte. Je peux comprendre. Au fil des années, nous avons développé des moyens efficaces pour réduire notre budget énergie. Quand c'est nécessaire, nous puisons dans certaines ressources disponibles à la surface. Nous ne prenons pas plus que ce dont nous avons besoin, naturellement. Heureusement, les systèmes avancés travaillent toujours à de nouvelles solutions pour produire plus d'énergie. D'ailleurs, c'est vital, parce que la demande ne cesse d'augmenter. Je ne vous dis même pas ce que le dématérialisateur moléculaire consomme en une seule utilisation. Oh putain, oui, j'imagine. Donc c'est le téléporteur, je pense. Hein. What the fuck? C'est un drogué. C'est littéralement un drogué. Quentin, bonjour Quentin, je vais pas te toucher. Pas pendant que tu dors en tout cas. Blah, c'était L'institut bizarre L'Institut est toute ma vie. Pardon, excusez-moi, je sors. J'espère qu'il en sera de même pour vous bientôt. Quel est cet endroit? Binet. Binet. Ah, j'avais une prof de maths qui s'appelait Binet, c'est marrant. Liam nous impressionne chaque jour un peu plus. Cabinet. Extrêmement brillant pour son âge. Liam. Liam Binet. D'accord, ok, bah j'en ai rien à cirer, tu sais. Alors, au-dessus, qu'est-ce qu'il y a? Ok. Ok. Pourquoi pas? Ça, c'est marrant, c'est une autre habitation? Apparemment oui, c'est une habitation. Je ne saurais dire de qui. Celle de Sean peut-être. C'est une habitation qui semble bien... Enfin, extrêmement haute. Non, je vais pas me suicider. On va éviter. Quoique. Hop. Voilà. Vous devez ressentir une fierté sans borne en voyant tout ce que Père a accompli. Accès réservé au personnel autorisé. Alors le docteur Rayo croit qu'il peut se cacher dans son bureau, c'est ça? Eh bien, vous pouvez lui dire que j'ai la ferme intention de parler de ces inspections surprises à Père. Oser saccager mes quartiers au beau milieu de la nuit, c'est intolérable. Je ferai passer votre message, docteur. C'est ça. Quand Bonjour. Les lumières s'éteignent et les étoiles apparaissent, on oublie tous ses soucis. Donc, oh, c'est beau. Bienvenue. Bienvenue. Quel plaisir de vous rencontrer. J'espère sincèrement que vous vous sentirez mais bien tous gentils, vous hein. à l'Institut. Presque trop. Presque. J'espère. Ça prendra un peu de temps, mais je sens que je vais apprendre à aimer cet endroit. Je suis heureux de vous l'entendre dire, et je vous promets que je ferai tout mon possible pour faciliter votre acclimatation. Oh, c'est gentil. Il est vraiment Permettez-moi gentil. De vous dire que beaucoup d'entre nous sont très honorés de vous voir ici. Oui, j'imagine. Enfin, c'est ce que je remarque, surtout. Rapport d'état. Toutes les fonctions sont normales. Pardon. Cette unité fonctionne à pleine capacité. BRS de l'Institut. Allons voir. Retenez-moi, ou je sens qu'il va y avoir un meurtre L'humanité à la division robotique. Redéfinie. Il passe encore ? Ça en jette, non ? Il traîne des pieds pour livrer les mises à jour des systèmes de visée que j'ai demandé. Je devrais peut-être emmener quelques chasseurs avec moi, histoire de faire passer un message. Pardonnez-moi. Oh la vache, il est violent. Nous avons déjà assez de mal à maintenir de bonnes relations avec les autres divisions comme ça. Qu'est-ce qui vous arrive, Alana ? Vous ramollissez ? Mes méthodes ont toujours donné des résultats. Cartouche magnétique. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça va changer. Je sais pas ce que vous c'est. Allez voir. Je prends. Steampack. Terminal du BRS. Suivi des cibles à récupérer.
C241, en fuite, enquête en cours, vue pour la dernière fois à Good Neighbor. Une tienne n'a pas été vue récemment, elle est vraisemblablement entre les mains du réseau du rail, l'effacement de mémoire a sûrement déjà eu lieu. En fuite, enquête suspendue, voire note pour S943, chasseur affecté, aucun. Vu pour la dernière fois les reports de Boston, note enquête suspendue, zone jugée trop dangereuse pour le moment. Unité localisée, donc B592, récupération prévue, chasseur affecté, X688, lieu forteresse de pillard Libertalia, connais pas. Les agents du réseau du rail ont fait subir un effacement de mémoire à l'unité B592, nouvelle identité Gabriel. L'unité est à la tête d'une bande de pillards basée à Libertalia. Comportement très agressif a tué plusieurs dizaines de rivaux et de civils. Suspicion de dommages cérébraux résultant de l'effacement de mémoire. Unité K823. État détruite. Chasseur affecté X351 reste localisé au nord-est de Saugus Ironworks. Les restes de l'unité ont été retrouvés près de la scierie Saugus Ironworks et rapportés à la division de robotique. Unité détruite par plusieurs tirs d'armes à feu. Suspicion d'attaque de pillards basée dans la scierie. L337, unité en fuite, enquête en cours, chasseur affecté X973, vu pour la dernière fois à Corvega. L'unité a subi un effacement de mémoire, une nouvelle identité Léo, observée à la plus grande prudence. L'unité a subi un entraînement intensif du réseau du rail et maîtrise plusieurs types d'armes à la perfection. Elle a échappé à deux tentatives de capture et endommagé plusieurs chasseurs. Oh, 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 celle-là m'intéresse. Liste d'informateurs, les vendus. Les individus suivants nous ont assistés dans nos opérations de récupération par le passé. En échange de capsules, ils nous ont fourni des informations relatives à des synthétiques en fuite ou aux activités du réseau du rail. Si vous établissez de nouveaux contacts, merci de les ajouter à cette base de données. Directeur Ayo, donc, liste d'informateurs cricket. Profession caravanier, lieu mobile. Tommy Longan, profession gérant propriétaire de la fosse, lieu la fosse, car la lordure. Je le savais! Donc il fournit des infos, alors qu'elle se balade partout, c'est ça. Docteur Withers. D'accord, oui, elle, ça me dérange pas. Edgy, profession vendeur de drogue, Good Neighbor. Bon à savoir. Marowski. Je le connais aussi, fournisseur de drogue celui-là. Good Neighbor, ouais. Lucas Miller, caravanier mobile. Henry Cook, tenancier de bar Diamond City. Henry Cook, il est mort, hein. Je l'ai abattu, je crois. Afficher les journaux d'accès. Non, d'accord. Tout le monde est enthousiasmé par le nouveau projet de synthétique. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Applicateur. Cellule à fusion, pourquoi pas? Trash can, pourquoi pas? Ok. J'ai l'impression que ce projet juste un, je cherche. Alana, c'est quoi? Je passe le plus clair de mon temps à arrondir les angles pour Justin. D'accord. C'est difficile de collaborer avec les autres divisions quand elles ont toujours une dent contre nous. Je peux comprendre. À propos de quoi? Qu'est-ce qu'il fait de mal, ce Justin? Oh, il est trop rentre-dedans, intransigeant. Il pense que tout le monde devrait tout arrêter pour se concentrer sur ses problèmes à lui. Mais bon, je dois admettre que les autres divisions ne prennent jamais nos besoins en considération comme ils le devraient. Je crois qu'ils nous considèrent comme un mal nécessaire. C'est injuste. Mais écoutez-moi un peu. Nous venons à peine de nous rencontrer et je ne fais que me plaindre. Oh, y a pas de soucis, en tout cas, ça a été un plaisir de faire votre connaissance. De même. Très instructif. Toi, le fameux Justin? Scientifique de l'Institut. Parfois, il faut savoir faire pression sur les autres divisions pour obtenir ce qu'on veut. Et un peu moins chinois. Salut, docteur. Ah, c'est donc vous? C'est Justin Ayo, directeur provisoire du bureau de rétention des synthétiques. Je vais être franc avec vous. À partir de maintenant, nous allons vous surveiller de près. Oula. Malgré vos liens avec Pear, vous êtes ce qu'on pourrait appeler une variable imprévisible. Je suis sûr que vous comprenez. Nous n'aurons aucun problème, j'espère. Vous ne me faites pas confiance? Pourquoi vous ne me faites pas confiance? Je serai direct. Vous venez de l'extérieur. C'est la première fois qu'une personne comme vous est autorisée à pénétrer dans l'Institut depuis très longtemps, en fait. Toutes ces précautions supplémentaires sont parfaitement naturelles. Ça n'a rien de personnel, je vous assure. Pear m'a demandé de vous présenter rapidement le bureau de rétention des synthétiques. Notre rôle principal est de récupérer les synthétiques qui se sont enfuis à la surface et se cachent au sein de la population humaine. Une espèce de police secrète. Vous êtes un peu la police secrète ici, c'est ça? Police secrète? Si c'est une référence d'avant-guerre, pardonnez-moi, mais je ne vois pas de quoi vous parlez. Notre bras armé est le chasseur. Un synthétique de troisième génération pouvant opérer à la surface. D'accord. La mission des chasseurs est simple.
pourchasser et appréhender tout synthétique en fuite. Ils sont parfaitement autonomes, spécialement formés à tous les styles de combat et maîtres dans l'art de l'infiltration et de la filature. En un mot, ils sont d'une efficacité implacable. Mais je pense que vous savez déjà tout cela, puisque vous en avez déjà rencontré. En fait, j'aimerais vraiment savoir comment vous l'avez vaincu. Je sais me défendre. Quand bien même, aussi expérimenté soit-il, un combattant isolé n'a que peu de chance face à un chasseur. Je vais devoir demander à la division robotique de réaliser un diagnostic approfondi de toute la chaîne de production. J'aime bien. Comme si nous n'avions pas assez de problèmes comme ça. Maintenant, le mec, c'est pas une raison, mais je vais quand même prendre en compte le fait que... comment dire ? Mes chasseurs sont nuls par rapport à vous. C'est ça, en fait. Directeur provisoire. Si vous êtes directeur provisoire, qui êtes-vous censé remplacer ? Le docteur Zimmer. Il supervise la récupération de certaines de nos unités les plus sensibles. D'accord. Je dois m'assurer que tout se passe bien en son absence. Je vais être traîné en dehors par un chasseur, apparemment, d'après l'image. Parce que oui, apparemment, les images sont des spoilers. Hein. Le conseil d'administration devrait prendre le problème des synthétiques renégats plus au sérieux. Je veux descendre. Mais oui, pardon, on va afficher une gestion d'inventaire. Mais oui, mais si tu parles. Level up. Bon, déjà ça. Fanat capsule en 2. Les pistolets non automatiques, oui d'accord, ok, je connais. J'avais pas mis genre rang 4 en scientifique, faudrait que je mette rang 4 en armurier alors. Voilà, là on va pouvoir s'amuser quand on va rentrer, chers amis. Hein. Genre vraiment. Je ne pourrais jamais vivre à la surface. Ce serait comme un cauchemar éveillé. Ah oh. Qu'est-ce que... C'est dans la colonne peut-être ? Je vois pas la position en fait, je trouve que c'est pas là où on mettrait un coup. Enfin je pense pas, c'est trop resserré. Bien que... Vous n'auriez pas un polarisateur sur vous par hasard ? Ah, pardon. Tiens. Salut. Salut. Il est con, lui. Ah, putain. Ah, il est magique, celui-là. Salut. Ah, il me fait marrer. Salut. Hello. C'est moi. C'est Bibi. Ah. Robotics, Synth Redemption. On n'est pas là où on était censé être à la base. Père est plus qu'un simple leader. Monsieur, c'est notre créateur. Il y a eu un autre incident. Code rouge. Quoi ? C'est le troisième en 15 jours. C'est intolérable. Comment est-ce arrivé ? Nous soupçonnons un bug dans la matrice, mais l'enquête est en cours. Bon sang ! Je suis entouré d'incapables. Je vais m'en occuper. En attendant, dites à tous les autres de rester vous en alerte. Vous étiez là le jour où les bombes ont explosé. Doublez les... Docteur Higgs, qu'est-ce qui se passe ? Certains disent que je me plains constamment. Mais ah, je connais, toi. Émettre des critiques constructives et éprouver des hypothèses. Si vous remarquez la plus petite anomalie, le plus petit détail suspect, signalez-le immédiatement. Ça ne doit plus arriver. Je sais que vous accomplirez de grandes jamais. Choses ici. Oui, monsieur. Nous en sommes entendu, tous convaincus. Monsieur. C'est gentil. Ouais, bon, bah, là, on va retrouver mon gamin. J'ai pas envie de la donner à Sturges. Il est en bas. Gardez vos microbes pour vous, merci. Mais va te faire entuber. D'accord, il est là-bas. Je pense pas pouvoir me balader en passant par là. Oh, il y a l'homme bicentenaire. N'oubliez pas, bonheur rime avec bonne santé. Ah, c'est ça, il faudrait un... Fichu. Oh. Inaccessible. Là, c'est quoi, là, c'est... il y a quelque chose que je ne cautionne pas. Sean, viens voir papa. On va jouer au baseball. Pas jouer au con non plus. Vous devez ressentir une fierté sans borne en voyant tout ce que père a accompli, tout ce qu'il a bâti. Le voilà. Maintenant que vous avez pu voir l'institut de vos propres yeux, qu'en pensez-vous ? C'est incroyable. Vous avez une technologie que je n'aurais jamais imaginée possible.
C'est incroyable. Heureux de voir que vous appréciez ce que nous avons accompli. C'est le fruit de rudes efforts. Au bout du compte, toutes nos connaissances et ressources convergent vers un seul but, que notre devise énonce clairement, l'humanité redéfinie. Malheureusement, aucun progrès n'est possible sans revers occasionnel. Aussi remarquable soit-il, nos synthétiques peuvent se montrer dangereux, sans supervision appropriée. Quand le corps et l'esprit supérieur des synthétiques se heurtent à la notion de libre arbitre, le résultat est parfois chaotique. Alors, je vais revenir sur un petit truc, avant de continuer la conversation. Pourquoi j'ai envie de choisir l'Institut ? Eh bien, regardez, c'est extrêmement élitiste. Hein. Certes, on n'a vu aucun homme de catégorie moyenne, entre guillemets, dans ce bâtiment, mais c'est aussi les seuls à utiliser... Vous êtes toujours avec moi ? Excuse-moi, Sean. C'est les seuls à utiliser leur capacité pour créer un avenir. Les miliciens restent bloqués à leur époque, c'est protéger le peuple. Il n'y a aucun avenir. Si, bouter toutes les saloperies en dehors. C'est le même problème pour la confrérie de l'acier. Exactement pareil. Bouter les saloperies en dehors. Les saloperies, elles sont présentes. Il y aura toujours des rats de cafard, il y aura toujours des yaogua, il y aura toujours des écorcheurs. Enfin, moi, je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Les ghouls. Il y en aura forcément toujours, parce que les radiations ne sont pas complètement éradiquées de la planète, entre guillemets. Les reconstructions, il n'y en a pas énormément de faites. La confrérie de l'acier, vu qu'on en parlait, l'objectif, c'est piller les ressources et les garder pour nous. Aucun système d'échange. Est-ce que vous voyez le truc ? Les miliciens. Le réseau du rail. Eh ben écoutez, le réseau du rail, l'objectif, c'est démasquer l'Institut. Et le peuple, tout ça, dans le... Enfin, je sais pas. Qui plus est, pour faire partie du réseau du rail, il faut soit être repéré par eux, soit, là aussi, un petit peu un chemin élitiste, réussir à retrouver donc le rentrer pour pouvoir les rencontrer. Je trouve, d'un point de vue purement cartésien, qu'en fait, l'Institut cherche à faire le bien. Après, le bien, tout est relatif, vous me direz. Parce que bon, ils envoient des synthétiques qui sont plus potentiellement dangereux. Mais bon, ça, on reverra. Jusque-là, un chasseur n'a jamais tué des gens. Principalement, le chasseur s'occupe des autres synthétiques qui sont, eux, dangereux. Mais bon, on verra bien. Alors, on reprend. Et le libre arbitre. Si les synthétiques sont doués d'intelligence et d'une conscience, ils ont droit au libre arbitre. Même s'ils reproduisent de très près le comportement humain, ils restent nos créations. Donc oui, je suis d'accord avec lui. C'est parce que j'ai pas compris de quoi. Je pensais qu'il allait poser une question sur le libre arbitre. Une supervision appropriée. Qu'est-ce que tu entends par supervision appropriée ? Quand ils sont à l'Institut et qu'ils s'acquittent des tâches pour lesquelles ils ont été conçus, nos synthétiques nous donnent entière satisfaction. Mais comme vous allez le voir, ils peuvent devenir imprévisibles quand ils ont le champ libre. Un synthétique renégat a pris le contrôle d'une bande de pillards à Libertalia. Sa mémoire a été effacée et son identité altérée. Il pense être un homme du nom de Gabriel. Sous son commandement, les pillards ont tué de nombreux innocents. J'ai envoyé un chasseur à Libertalia. Je veux que vous vous joigniez à lui pour capturer ce synthétique. C'est une idée. D'accord, on va le ramener. Ça vaudrait mieux pour tout le monde. Vous feriez mieux de partir. Beaucoup de gens sont en danger. Et tout retard pourrait coûter des vies. Parfait. Je te remercie, Sean. Le seul souci, c'est que je suis ton père, tu me donnes pas d'ordre. Merde, fais pas chier. Bon, téléportation, chers amis, maintenant qu'on peut le faire. Alors, juste pour voir, où suis-je actuellement ? Là. L'Institut, d'accord, juste au niveau du site. Donc j'étais pas loin en fait. Bon, retour à Sanctuary, chers amis. Si capable d'afficher des dégâts balistiques considérables pendant une courte période, le minigun a besoin de tourner un moment à vide avant de pouvoir tirer. Oui, on est au courant de ça. Bon, la suite. Alors, est-ce que j'ai fait une erreur ? Je sais pas, je pense pas, personnellement.
Ah oui, est-ce que ça va me faire cette animation là à chaque fois? C'est stylé quand t'arrives à genoux comme ça, toi. Bon, en tout cas, les filles, je suis ravi de vous retrouver, hein. Enfin, Kanigou et la fille. Alors, toi. Ça pourrait être pratique à l'agence. Bobine Tesla, est-ce qu'on peut... Oui, on peut. Jetpack. C'est parti. Normalement... Ah ah, le voilà. Le voilà, le jetpack. Un nouveau jour se lève et on est encore en vie. On dirait presque qu'on sait ce qu'on fait. C'est marrant, je reconnais pas ta voix, Hancock. C'est marrant. Je suis toujours content de voir le soleil. Ah, toi, je te reconnais. Alors, juste pour voir. Tout semblait froide, mais ne le prenez pas personnellement. C'est sa manière de gérer la mort. Ok, c'est parfait. Dommage qu'il consomme aussi du AP. Bon. Par là, ça doit être Storges. Même pas. Alors, on a bien avancé dans l'histoire. Abri du maire de Boston. Ça me dit quelque chose, ça, chers amis. Vous vous rappelez? C'était un truc qu'on avait découvert dans une note, qu'il me semble. Abri du maire de Boston. Tels leurs illustres prédécesseurs de la Révolution américaine, les miliciens modernes n'ont pas le temps de lire les temps de chargement. Tu crois que je t'ai pas vu, toi, là-bas? Boum. Kanigou. Putain. Hop là. Vous avez vu ça, cette précision? Hop! Là, si je la rate, ça me ferait mal. Boum! Elle est belle, cette killcam. Regardez ça. Je vais lui tirer dans la tête. Ah, j'ai pas ce qu'il faut. Appelez. Bon, est-ce que quelqu'un veut négocier maintenant? Non? Bon. Oui, on va aller voir les données d'abord. Retour au bercail, rejoignez le chasseur. Ah, c'est la seule quête que j'ai? Ah non, cherchez des artefacts à bris du maire. Normalement, c'est par là, si je me trompe pas. C'est ça. J'ai tellement de données sur le monde d'avant les bombes que je risque de devoir en supprimer pour enregistrer mes nouvelles observations. Si tu le dis. Qu'est-ce que c'est? Une bougie. Salut les mecs! Alors oui, j'ai toujours le mode, chers amis, je vous le rappelle. Hein. Oh, mes systèmes ont hâte d'enregistrer de nouvelles données. Un combat, vraiment? Pourquoi pas une conversation civilisée à la place? J'analyserai ça. Il va péter! Kanigou, la prochaine fois, fais gaffe. Ce sont pas nos amis. Oh putain, j'ai eu les boules. Mais il n'y avait pas de raison. Nous devons trouver des hommes de science et des lieux d'éducation. Il doit certainement en rester. Oui, certes, mais... Jusque-là... C'est pas ce qui nous intéresse. Alors, progressons. Parce qu'on a quand même fait un petit peu beaucoup d'histoire. Maintenant, on va retrouver un petit peu d'action. Merde alors. Il peut pas marcher sur une branche. J'ai du mal à traiter cet afflux de données. Excusez-moi si je dis parfois des choses incompréhensibles. Je vais tâcher de m'améliorer. Yo, abri du maire de Boston. Ah merde. Il a pas procréé et engendré une succession, hein. Alors, bonjour. Terminal, intéressant. Comment à distance de la porte, déverrouiller la porte. Voilà. Je me demande si les données que je rassemble serviront un jour à quelque chose.
Yo. J'imagine que j'aurais pu l'ouvrir autrement, mais bon, c'est pas grave. On va y aller comme ça. Bon, c'est pas très joyeux. Apparemment, y'a personne. Ce qui n'est certainement pas vrai. L'humanité a une telle volonté de vivre quoi qu'il arrive. Il est de notre devoir à tous d'œuvrer pour sa survie. Personnellement, je parierai sur fond jeu. L'humanité a subi un triste déclin depuis les bombes. Elle ne m'attaque pas. J'imagine donc qu'il y a encore quelqu'un et qu'il ne m'a pas qu'il n'a pas vu une menace en moi. Je me demande ce qu'il s'est passé ailleurs. Descente. Est-ce la même situation que le Commonwealth? Est-ce meilleur? Nage. Ça c'est pratique par contre. Ok. Il faudrait peut-être que je fasse un FOV hein, pour reculer un petit peu la caméra. Pensez-vous que quelqu'un comme moi puisse être accepté dans la confrérie de l'acier? Non, clairement non. Par contre, tu es où? Où es-tu, ma belle? C'est ennuyeux si t'arrives pas à me suivre. Terminal expert, vous ne pouvez faire. Oui, bien sûr. Hop. Vous avez entendu comme moi, non? Il y a une tourelle. Tant qu'elle m'attaque pas. Excusez-moi. Doctrine. Wonderful. Notorious. Bon, ça commence mal. Donc j'imagine que c'est le haut que j'avais qui était bon. Alors, la suite. Ok, ça c'est déjà un bon début. Ce serait sympa de retrouver nos essais. Mais je crois que le jeu ne m'a pas me laissé les avoir. Alors ça peut être soit footstep. Je vais essayer converted et c'était pas celui-là. Dommage. Calmos, hein. Je vais pas vous faire de mal les filles. Hein. Allez! C'est chiant quand il baille, Canigou. Contained. Alors, quand on a un mot conjugué en ED avec deux à la fin, faut voir si on n'a pas un deuxième. Il n'y en a pas. Donc, c'est pas celui-là. Recycling? Non plus. Alors, rien dans recycling. Rien dans Watching. Je suis con, j'aurais pas dû prendre Watching d'ailleurs. Donc ça peut pas être defeating. Mécanisme peut-être. Ah merde, j'ai pas vu que j'avais déjà tout utilisé. Merde, crédit, je vais pas y arriver. C'est ennuyeux.
On y retourne. On va y arriver cette fois-ci, chers amis, ne vous inquiétez pas. Slithered. Struggles. Realistic. Rien du tout avec réalistique. Alors, rien du tout. Là non plus d'ailleurs, on va rien tomber. Bah, ah, on va pas avoir de nouvelles chances. Hop. Réalistique 0. C'est pas Suicidally. Wandering. Alors, on a un ING. Simming. Ça y est. Si elle m'attaque maintenant. Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière et ne passez pas trop de temps sur votre terminal. faut pas que je reste sur le PC en fait, c'est ça qu'il vient de dire. Ok, cool. Toujours sympa de faire un petit peu de plein comme ça. On reprend. Hop. Ce qui me fait chier, c'est qu'elle soit loin. J'aime pas quand elle est loin. Des chiottes. Ça descend. Ok. What? Je le sens pas cet endroit. Oh la gueule. Et il vivait bien le maire, hein. Ce qui me fait plus chier, c'est qu'il n'y ait pas de cadavre. Un livre en retard, j'imagine, oui. Je prends. Enfin, pas qu'il n'y ait pas de cadavre, mais qu'il y en ait si peu, justement, plutôt. Parce que j'en ai pas encore vu, mais j'imagine qu'on va en tomber sur un. Terminal maître. Voyons voir. Overloading. Donc rien, donc pas d'ING, déjà. Blasphemers. Information. Non. Ici. J'aimerais éviter les... J'aimerais pouvoir reprendre. C'est pas recognition. Ah, j'aurais cru. J'ai essayé. J'ai tenté ma chance, c'est pas grave. Ah oh. Justement, on parlait du loup. Clé de la salle de bain de l'abri du maire. Alors, avant de la prendre. Avant de la prendre, j'aimerais aller d'abord à la salle de bain. Ah, c'est les mêmes ? Pas exactement. Overloading n'est toujours pas le mot, on est d'accord. Donc c'est pas un ED non plus. Unspeakable. Non, ce n'était pas ça non plus. Mot supprimé. Mot supprimé. Alors. Et c'est réinitialisé, parfait. Mot supprimé. Alors. Non. Et non. Alors c'est pas un ED, c'est pas un ING.
Est-ce qu'il peut finir par un E? Potentiellement, oui. Je crois que j'avais essayé déjà Knowledge. Responsible. Furnishing. Reluctantly. Bah dis donc, je les aurais pas trouvé. Hein. J'ai du mal avec celui-là, chers amis. Hein. Incroyable. Oh, il y a une... Hop. J'ai retrouvé le maire dans la baignoire hier soir. J'ai fermé la porte à clé avant que sa femme arrive. Je voulais pas qu'elle le voie comme ça. Oh merde. Je lui ai dit que tu serais bientôt de retour et qu'il fallait pas qu'il s'inquiète. Et je lui ai demandé d'emmener les enfants au local de service du gymnase et d'attendre que je lui dise qu'il pouvait en sortir. La situation commence à nous échapper. On n'est pas assez nombreux. On va pas tarder à sombrer dans le chaos. Un mec sensé. Alors, Star Houses. Experiences. Accelerates. Ah. Ah. Accessories. Joli. Commande à la porte de sécurité. Ouvre la porte. Ok. C'est cool tout ça. Je me dis qu'on va peut-être trouver une arme sympa là-dedans parce que je viens de voir des clous de rail. On n'a pas encore trouvé le plan ou quoi que ce soit. Porte. Donc ça c'est la salle de bain, j'imagine, publique ou presque. Ça doit être le gymnase, donc on risque de retrouver les corps des enfants et de la femme. J'aimerais d'abord retrouver le corps du maire. Déverrouiller avancé. Oh. Voilà. Bon. Joli. Effectivement, d'accord. Il s'est suicidé en mettant le... La comment le... La radio avec lui dans le bain. Les adieux du maire. Bonjour, chérie. Je suis désolé que ça se termine ainsi. J'ai essayé de bâtir un endroit où nos enfants auraient une belle vie. Tu le sais, la famille compte énormément pour moi, et j'ai toujours fait passer nos enfants avant tout le reste. C'est beau. Je suis prêt à tout pour eux. Et voilà. Même s'il me faut pour ça. Oh, génial, un point de santé par minute. Contribuable. La foule en colère a réussi à passer. Et à l'heure que je suis mort, atteindre le niveau inférieur. J'espère que ça suffira pour que vous laisse tranquille, protéger nos enfants et toi. Je n'ai plus. J'ai confié la clé du coffre à l'un des assistants. C'est dommage, c'est buggé. Adieu, mon amour. Je vous aime plus que tout, les enfants et toi. C'est quoi ça? Aimant haute intensité, d'accord. Carte de visée améliorée, génial. Or, huile. What? J'ai pris quoi sur moi là? Une arme sûrement, mais alors quoi exactement? Ah non, c'était pas une arme, j'ai dû prendre un... Remets ça à sa place, j'en ai pas l'intérêt. Safe, maître. Pousse-toi, Canigou. Merci. C'est parti, chers amis. Alors, non. Ah. Tu ne veux pas venir voir papa? Allez voir papa. Voilà, tu vois quand tu veux. Ça y est. Bon, je m'entendais à mieux, à vrai dire, hein. Je vais aller voir les enfants. C'était ma propre armure qui faisait ce bruit là, d'accord, ok, cool. J'ai eu peur. Dans le fameux gymnase.
Ah putain, il y a un squelette. Sans doute mieux comme ça. Il est difficile de déterminer si la surface est plus ou moins sujette aux épidémies. Qu'est-ce que... Il serait sage de se préparer à toute éventualité. Qu'est-ce que c'est que ça? What? J'attaque la cible ennemie. Kenigou! Des mecs de l'institut? Je subis des dégâts. Voilà pour vous. Au niveau de la tête, il est mort. Au niveau du ventre, il est mort. Bouffe! Tiens! Fais pas de mal à Kenigou! Fonctionne à pleine capacité. Bien joué. Rapport d'état. Toutes les fonctions sont normales. N'est-ce pas le travail du médecin légiste? Tiens d'ailleurs, à ce sujet. Tu es en train de me faire un cadeau ? Oui, oui, je suis sur le point de... T'as pris une batte de baseball. Fais comme tu le sens. Écoute, je vais pas te... t'en empêcher, hein. Hop, je donne ça par contre. J'aurais aimé donner la bague de sa mère à notre enfant. Enfin, pas à mon enfant, pas au tien. Oh, un Fat Man, génial. Ammo Box. Bah alors! Voilà! Ça joue à rien! Hein. Même pas de mini nuque avec! Y'avait plus de balles! Y'avait plus de balles! Bon, tant pis! Les synthétiques ont-ils une psyché? Putain. Ou sont-ils simplement des machines sophistiquées? Peux-tu venir ou pas du tout? T'es complètement coincé? Eh bien. Elle en chie un petit peu la pauvre. Hein. Oh. Trappe. D'accord, c'était pour la sortir les gens. Ok, bah bon, écoutez, on va sortir par là, chers amis, nous aussi. Hein. Analyse de l'identité inconnue. Autorisation confirmée. Référence à Toy Story 3, chers amis. Permettez-moi d'observer et d'analyser un maximum. Tous les systèmes fonctionnent. Dans un but scientifique, bien évidemment. Je suis content de vous voir par là, les mecs, hein, mais ça m'intrigue. Vous en doutez. Alors, où sommes-nous? Putain, il y avait un passage, mais je l'avais pas vu, moi, cet endroit-là. Ouf. Bonjour, monsieur. Bonjour. Analyse en cours. Sujet identifié. Bonjour. Ah, c'est cool, il soit de mon côté. C'est agréable. Je me demande si je puis dire. Les données que je rassemble serviront un jour à quelque chose. Ah, cage thoracique avec rien bassin. À signaler, monsieur. Merci, c'est gentil. Mais j'ouvre la porte. Hein. Hop. Déverrouiller. Bon, écoutez, on va déverrouiller aussi. C'est bon. Ok, je prends tout ça. C'est raccourcissement aux dimensions industrielles. Je sais même pas ce que c'est. Je suis paumé, je sais plus où aller. Je suis coincé, je me suis trompé de chemin. Si ça devait être par là, c'est ça. De toute façon, il suffit de suivre le sens des portes. Même pas, non, c'est même pas un bon conseil ça. Je me demande ce qu'il s'est passé ailleurs.
Est-ce la même situation que le Commonwealth ? Alors c'est parce que j'ai découvert l'Institut qu'ils sont de plus en plus nombreux en dehors. Ce serait intéressant, tu me diras, remarque, mais... Remonter. Eh mais donc, cet épisode commence à être vachement long. Je prends mon pied, certes, mais il commence à être drôlement long, cet épisode. Claque étage. D'accord, ok. Alors, j'espère que la claque, c'était pas dans ma gueule, hein, parce que sinon, ça va pas le faire. Il y en a signalé, monsieur. Terminal déverrouillé novice. Ah oui, c'est vrai. Oh. Pas la peine. Pas la peine. Peux-tu te pousser, s'il te plaît, mon très cher ami ? Oh, dis donc, t'as vraiment une sale gueule, hein. Il dit que t'as une sale gueule. C'est vrai que t'as une sale gueule, d'ailleurs. Bon. Oh, mais vous êtes... Rapport d'état. Toutes les fonctions rapport sont d'état. Normales. Toutes les fonctions sont normales. Non, pour un chef, il t'as vraiment... Il est difficile de déterminer si la surface est plus ou moins sujette aux épidémies. Mais il serait sage de se préparer à toute éventualité. Je prends. Ok, on ressort, chers amis. Bon. Eh ben écoutez, cet épisode aurait été bien... Bien mené, un rondement mené, comme dirait l'autre. Bien complet. On aurait eu un petit peu d'action. On aurait eu un superbe écorcheur légendaire quand même. Hein. On va pas s'en plaindre. On aura eu de l'amélioration, on aura eu de l'histoire. Et donc, bah écoutez les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce, vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. Donc, faire trouver le lien dans la bannière de la chaîne. N'hésitez pas à cliquer dans le descriptif de l'épisode et aussi dans le lien, dans la bannière de la chaîne sur le lien qui vous mènera directement à mon partenaire GamesPlanet.com qui m'a gracieusement fait le jeu ainsi que Mad Max, Star Wars Battlefront ou encore Agatha Christie's The ABC Murders. Vous pouvez aussi retrouver donc vous pouvez retrouver sur leur site des jeux à des prix très réduits comme par exemple Dragon's Dogma Dark Horizon, donc à un prix réduit par rapport à ce qu'il est sur Steam, avec une clé qui vous sera offerte directement et donc sur Steam directement. Donc voilà les amis, écoutez encore une fois, merci d'avoir aidé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour l'autre aventure. Salut les gens. Oh. Touch my tralala. C'était un petit peu bizarre la fin de cet épisode.